Salut, c'est Nando de Colo pour les 10 essentiels de GQ. Ça, c'est mon iPad. C'est ce qui me permet de profiter un peu mieux de tous nos voyages. On a énormément de déplacements pendant la saison. Je l'ai toujours sous la main pour pouvoir regarder mes séries télé préférées. Beaucoup de temps passé dans les bus, dans les trains, dans les avions. Et puis ça me permet d'un côté de ne pas perdre mon français. Aujourd'hui, j'ai choisi Nostalgie Friends en référence à la série. C'est ma série télé préférée, donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil par rapport à ça. J'aime beaucoup les montres. Elle a un petit détail assez spécial, c'est que voilà, dès que la lumière est allumée, encore une fois, il y a cette couleur rose qui apparaît. C'est une couleur qui me plaisait beaucoup, voilà, parmi d'autres. J'aime beaucoup ce modèle, assez spécifique aux baskets Top 10. Une paire de baskets qui me suit depuis plusieurs années maintenant. Ce cylindre est un foam roll. C'est surtout utilisé dans le sport et dans la préparation, voire même dans la récupération. Je l'ai pratiquement toujours sur moi. Ça permet sur des moments de fatigue de pouvoir relâcher ou alors même préparer les muscles à l'effort. Je ne peux plus m'en passer. Donc ça, c'est mon coussin. C'est un coussin que j'avais fait faire sur un été avec l'équipe de France. Au milieu, il y a la forme pour quand je dors sur le dos. Et sur les côtés, quand je me tourne sur un côté ou sur un autre, pour être toujours en alignement avec le matelas. Je l'ai toujours avec moi, il m'a suivi aux États-Unis, en Russie, aujourd'hui en Turquie. Mon disque dur externe, dedans sont enregistrés et classés surtout tous les moments familiaux, tout ce qu'on a pu faire en famille ou avec les amis. Plus tard, ça permettra de revenir sur tous ces bons souvenirs. J'ai un petit fait pour les cactus, ça habille plutôt pas mal notre salon. Ça ne demande pas trop d'entretien non plus. Je pense que j'ai toujours eu un cactus chez moi depuis toujours. Le jeu de cartes traditionnel. Celui-là n'est pas banal à mes yeux puisqu'il m'a été offert par ma belle-mère. Il appartenait à son père. J'essaye de faire le maximum pour le garder le plus longtemps possible. Juste avec un jeu de cartes, on est capable de jouer à plein de choses différentes. Et aujourd'hui, même si c'est pas ce jeu-là en particulier que je garde sur moi, j'essaye toujours d'en avoir. Donc voilà, ça c'est mon crayon 4 couleurs. C'est quelque chose que j'utilise très régulièrement. J'aime beaucoup écrire, un objet qui fait partie de mon quotidien.